à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10Vap. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette veille de Noël. On est le 24 décembre. C'est la dernière vidéo matérielle du calendrier de la vape. Demain, ce sera la dernière vidéo déjà. Vous retrouverez le 1er janvier, évidemment, le bêtisier classique, comme on fait chaque année, des différents tournages et y compris de ce calendrier de la vape. Mais en attendant, dernière vidéo matérielle de ce calendrier de la vape et du coup, on a décidé de décerner la place du 24 décembre à une box qui nous a vraiment particulièrement plu. Pour le coup, c'est vraiment un très gros coup de cœur. C'est la RPM 85 Kit de chez Smoke. Pourquoi? Parce que déjà, elle a de la gueule. Vraiment, elle a déjà beaucoup de gueule. Et en plus de ça, vous allez voir sur le tapis, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais elle est bluffante. Vraiment, elle est extrêmement bluffante, d'une simplicité déconcertante et d'une efficacité sans pareil. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour le moment, on se retrouve sur le tapis et nous après on se revoit pour débriefer. Et donc voilà à quoi ressemble notre RPM 85 kit de chez Smoke. Smoke est marqué juste ici, le RPM 85 est noté juste ici. Donc là on a une belle couleur, un peu arc-en-ciel hein, du coup. C'est assez tape à l'œil, hein. Pour le coup c'est vraiment tape à l'œil. On va parler d'abord de la batterie. Donc au niveau de la batterie, vous avez une capacité de batterie de 3000 mAh. Les résistances sont détectées entre 0,15 et 2,5 ohms. Ça délivrera une puissance située entre 5 et 85 watts. Pour monter, vous avez le plus et le moins. Et ces boutons ne servent pas qu'à ça. Donc pour le verrouillage, pour verrouiller l'intégralité de votre cigarette électronique, le plus, le moins et le bouton fire, 1, 2, 3. Et là vous avez tous les boutons qui sont verrouillés. 1, 2, 3, on vient à déverrouiller. Et du coup vous avez la possibilité de venir revapoter. Pour verrouiller la puissance que vous avez indiquée, on appuie sur le plus et le moins en même temps et vous voyez que c'est verrouillé. Et on rappuie pour déverrouiller. Là vous avez du coup le compteur de puff qui est restaurable, hein. Vous appuyez sur le bouton fire et le bouton moins. Clear puff, yes, no. Donc non, on va mettre non, hein, forcément. Le bouton fire et le bouton plus, ça viendra à changer la couleur du thème. C'est une batterie intégrée, la recharge se situe juste ici. Elle est en type C, donc c'est une recharge assez rapide quand même. Hein. On va pas se mentir, ça se recharge rapidement. Le cutoff est situé à 8 secondes. Concernant le tank, alors vous avez une résistance qui est juste ici. La contenance est de 6 ml, donc c'est une sacrée contenance quand même. Hein. Le remplissage s'effectuera par le haut, je vous le montre tout de suite après. Pour changer la résistance, alors quand vous la recevez, ne tirez pas trop ici, ça ne viendra pas. Il faudra d'abord débloquer la partie rouge et là, votre résistance viendra toute seule. Vous avez les résistances de 0,15 ohms et 0,23 ohms. Et du coup, comme je vous le disais, le remplissage s'effectue par le haut. Et vous avez jusqu'à pousser. Et ça vient à s'ouvrir ici. On va venir y mettre notre liquide. Et vous pouvez venir la replacer en attendant qu'elle se imprègne du liquide. Pour les airflow, vous voyez, ils sont ici, ils sont réglables. Par contre, vous n'avez pas du tout de butée, donc ça tourne vraiment à l'infini. Hein. Donc, pour le bloquer, c'est pas possible. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le tapis concernant cette RPM 85 kit de chez Smoke. On se retrouve tout de suite sur le plan large pour vous dire ce que j'en ai pensé et débriefer. Et donc, voilà, notre RPM 85 kit est prête de chez Smoke, du coup. Et bah écoutez, on a mis un petit liquide sympathique dedans, une limonade litchi. C'est un liquide que je voulais tester depuis un petit moment. Et là, pour le coup, on va pouvoir le tester avec cette RPM 85. Donc bah écoutez, sans plus tarder, on va voir ce que ça donne niveau saveur, niveau vapeur. Niveau vapeur, vous voyez, et pourtant on est sur du 40 watts. On n'est pas sur quelque chose d'ultra puissant. Pour l'instant, moi j'ai mis vraiment 40 watts. Donc après, si on monte, on va avoir quelque chose de beaucoup plus conséquent, quoi. Là,
vous avez une fumée dense. C'est un liquide pourtant en 50-50. Fumée très dense et des saveurs ultra, ultra bluffantes. Vraiment, on a une restitution des saveurs qui est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de la présenter aujourd'hui sur la dernière vidéo matérielle. Parce que, tout simplement, c'est du matériel qui m'a vraiment beaucoup plu. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on lui accorde cette dernière place de ce calendrier de là-bas, parce qu'elle avait largement cette place, et surtout ce 24 décembre. Une batterie intégrée, une batterie qui tient le coup, quand même. On est sur une batterie qui ne va pas forcément tenir toute la journée si vous êtes constamment dessus, mais par contre, vous la rechargez rapidement et tout, il n'y a pas de souci, ça se recharge ultra rapidement. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, vraiment, je vous dis, le côté vraiment ultra positif, c'est ce côté sub-ohm qui est vraiment très intéressant. Et pour une box qui est 85, hein, voilà, 85 watts, et des saveurs qui sont vraiment très très bonnes. Voilà, donc franchement, il n'y a rien à dire, les saveurs sont top. Il n'y a pas à dire, franchement, il n'y a rien de plus à dire en fait sur cette box. Elle est ultra bluffante. Donc le lien est dans la description, évidemment, pour vous la procurer. Moi, je vous dis à demain pour la dernière vidéo du calendrier de la vape. Et abonnez-vous parce que d'autres choses arrivent, même après ce calendrier de la vape. Ce n'est pas la fin, vous savez, on met beaucoup de vidéos ce mois-ci, mais il y en a beaucoup d'autres qui arrivent après aussi. Et beaucoup de nouveautés qui arrivent surtout après. Et écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.